deuxième stage, le troisième et le dernier, parce que on a mis en place un stage à Tizi déjà, au stage dit de Hosseini et Ahmed, le deuxième stage à Ishra, le troisième stage et le dernier, donc c'est la dernière ligne droite en Turquie. Je pense que toute l'équipe est là, donc le staff, l'équipe, les dirigeants, alhamdoulilah, les choses se passent très bien. Je pense qu'il y a tout un programme qui a été mis en place par le staff technique, par M. Khaï et tout son staff technique. Bon, je pense que Inch'Allah, toute la direction du club est bien sûr sous la direction de son président directeur général de Mobilis, donc mais tous les moyens qu'il faut pour que le stage y'a Bachikoun y'a fait Hassan Torouf, voilà, que l'équipe va revenir d'attaque pour l'entame du championnat Charles. Voilà. Bah écoute, trim technique t'as le staff, donc trim Hanaya, nous la direction, donc on fait le coup de l'imkania, donc bien mashallah la ybarak, tous les joueurs sont canouf le mouaïd. Un jour qu'un président, l'équipe est au complet. Ah, je pense qu'elle est au complet, alhamdoulilah. Fin de recrutement, bon, je pense que le staff Mazal, oui, quelqu'un, nous reste encore un deux joueurs. Ça, c'est la décision du coach. Nous, la direction, donc, on est là pour l'accompagner, le soutenir. Ils doivent se sentir motivés, ils doivent se sentir protégés. Je pense que nous sommes là pour mettre toutes les conditions nécessaires pour que les choses se passent bien, Inch'Allah, fait Chabibat al-Kabaïl. Voilà, donc il y a une administration, l'administration Idara Ta Chabibat al-Kabaïl, que nous sommes en train de mettre en place. Il faut qu'elle soit complémentaire, il faut qu'elle soit. Il y a l'impact de Hadaz Mikoun, Ijabi, Nazim Tkoun, Idafa, Ijabiya, l'Al-Fariq, où il faut que le joueur, le staff, il doit se sentir protégé par. إدارة الفريق هذا يعني هذه هي المهمة الأساسية تاعنا إن شاء الله. فوق الادمينستراسيون و لو كوتي سبورتيف فوق يل سو كومبليت جو بونس كو نو سوم رانا نخدمو يعني بتكامل يعني تضامن كامل. Voilà, je pense que les choses vont bien se passer, Inch'Allah. Dernière question, Président, si vous permettez, ça concerne les actionnaires qui n'ont pas encore cédé. Que voulez-vous que je vous dise comme ça? Il faut que vous sachiez, le Jamaïa Lamal Issetnaïa Ta'a 23 avril 2024, je pense que tous les actionnaires présents, les canaux Hadarin, le Jamaïa Lamal, donc ils étaient une dizaine, ils sont tous pris un engagement pour céder les parts de Tahom, les actions de Tahom, au profit de. Du propriétaire du club mobilise, bien sûr. Donc, on a le majlis l'idara ta'a l'fariq, les actionnaires pour qu'ils actent l'engagement de tahom et pour qu'ils soient concrets devant le notaire. Je pense que trois ils l'ont fait, donc le CSA, pas la majorité des actions parce qu'il doit rester, de façon filchmé à la main, qui a une. Rachid Azouaou, Nahiye, Moulasaba, ou Mourazziet Aïdan Nahiye, Moulasaba, les trois, donc ils ont pris un engagement, ils ont acté l'engagement de Taham pour céder les parts. Il reste deux, moi je l'ai dit, Yarishan ou Bouzet, donc ils sont à l'étranger, on fait Mkharj Louatan, donc ils ont pris un engagement, ils vont céder les parts de Taham au profit de Mobilis. Bon, le reste, donc, ils ne l'ont pas fait. Donc, Majouch, tout s'est passé dans Adjoua Hadia, où
ce plan réglementaire aussi, donc les choses ne se posent pas, Yannick. Vous avez donc un propriétaire du club qui a la majorité des actions, et vous avez le CSA, il a aussi des actions. Donc c'était plus de 90% des actions présentes dans l'engagement pris par les actionnaires, il faut qu'il se concrétise et se matérialise. Donc il n'y a pas de souci. Donc ils ont fait ce qu'ils ont pu pour ce club. Aujourd'hui, donc ils ont pris un engagement, ils doivent le concrétiser. Donc ça, une dizaine. Mais quel niveau il faut que vous sachiez aussi, les amis, il y a encore 7 actionnaires, 7 actionnaires. Donc, qui ne se sont jamais, qui ne sont pas présentés. Donc, on a convoqué tout le monde, on a fait appel à tout le monde. Il reste encore 7 qui ne se sont pas encore manifestés. Ils vont faire l'acte, ils vont faire un geste qui honore toute la famille footballistique de la jeunesse sportive de Kabylie. Ils s'immobilisent avec faire son boulot, faire son travail correctement et mettre tous les moyens qu'il faut à la disposition de ce club. Et je pense que c'est ce qui est en train de se faire maintenant. Donc nous avons vu donc, l'accompagnement de Mourafakat à Mobilis. Il a mis d'air, il a hâdar, il a fait sa ville, il a fait sa ville. Mais il a venu jadid, donc je pense que vous avez, comme vous venez de le constater, donc il y a eu presque plus de 10 joueurs libérés. Pratiquement nous sommes à une douzaine de joueurs, donc c'est pratiquement toute l'équipe est remaniée. Donc Inch'Allah, maintenant il reste le staff technique qui va mettre les mécanismes qu'il faut pour qu'il y ait un insijam, qu'il y ait un takamul avec tous les laïbins et à tous les compartiments. Donc voilà, c'est ce qui se fait actuellement. Voilà.